Ici, la salle des fêtes d'Aubervilliers, où vous assistez à un match de combat, un match de poids léger qui oppose Jean Rabu, culotte foncée, 32 ans, marié, 3 enfants, 1m58, 66 kg. Ex-champion du monde léger, c'est le feu follet des rings. Culotte blanche à ce moment de dos sur votre écran. Ventos Costella, 19 ans, il a été annoncé comme le catcheur professionnel le plus jeune d'Europe. Célibataire, bien sûr, c'est un Espagnol de Valencia. Il ne parle pas du tout français, mais tout à l'heure dans les vestiaires, il m'a expliqué qu'il était de Valencia. Il fait 1m59, pèse 68 kg. C'est un première série de l'écurie Gilles Esparza. C'est un combat extrêmement spectaculaire auquel nous assistons depuis 12 minutes déjà. Et ce combat a lieu en 30 minutes ou un tombé. Monsieur Louis Michon, l'arbitre, compte 1, 2, mais par une prise en bascule. Jean Rabu s'est bien dégagé de la prise de Ventos Costella. Jean Rabu, c'est le Spoutnik d'Aubervilliers ce soir, il est déchaîné. Quant à Costella, qui ne fait qu'1m59, il a 19 ans et grandira parce qu'il est espagnol. Double Nelson de Costella sur Rabu. Rabu se dégage. Oh là là, ça va vite, encore une prise sur double Nelson qui se dégage à nouveau avec un... Hop là! Ça va vite, ça va vite. Ma parole, il joue à pigeon vol, c'est à la fois du catch et du planeur. Le vol plané depuis 12 ou 14 minutes déjà ici à la salle des fêtes d'Aubervilliers. Costella à droite de votre écran, culotte blanche. Jean Rabu, ancien champion du monde des légers. Non, Costella n'en veut pas. Rabu l'attendait, Costella préfère revenir au centre du ring, reprendre normalement le combat. Mais si les trois enfants de Jean Rabu sont comme lui, ça doit faire du bruit à la maison. Pour le moment, Rabu subit un étranglement de Costella. Costella se dégage fort bien, vous l'avez vu, par un saut chassé de bonne facture. Rabu, prise de tête, Costella se dégage, mais la prise de Rabu tient toujours. Clé bloquée à la tête. Costella se relève. Enfourchement, il a essayé un enfourchement sur Rabu. Mais Rabu maintient sa prise à la tête de Costella. 10 minutes de combat. Costella essaie de se dégager comme il peut. Essaie de gagner des cordes, il parvient, a failli passer d'ailleurs en dehors du ring et s'est bien dégagé. Il y a une colonie espagnole ce soir qui est venue là pour encourager Ventos Costella. Oh, très jolie prise de Rabu, prise acrobatique. Ciseaux bloqués à la tête, mais Costella s'est dégagé acrobatiquement. Le public d'ailleurs a l'air de voter fort ce combat extrêmement aérien, ce combat d'acrobate entre Jean Rabu et Ventos Costella. Costella a l'air tout à fait décontracté, vous voyez. Saut chassé de Costella sur Rabu. C'est vrai, ce jeune Espagnol a l'air tout à fait décontracté. Il est vrai qu'il n'est pas du quartier, lui, qu'il ne voit pas arriver le spectre du premier tiers provisionnel. Ça, c'est une autre histoire pour le moment. Rabu, lui, essaie de s'en prendre à la tête de Costella, mais les deux hommes touchent les cordes. L'arbitre a dit break et ils se séparent. Projection de Costella sur Rabu. Rabu se relève à 4. Nouvelle projection. Ça finit par faire mal au rein. Et de 3, pourquoi pas. Cette fois, c'est Rabu qui a feinté Costella et qui l'a projeté à terre à son tour. Prise de bras à la volée de Rabu sur Costella. L'Espagnol, avec des sauts de carpe, essaie de gagner les cordes. Et finalement, se relève en force. Rabu le remet au tapis. Costella se relève une deuxième fois. Et pour la deuxième fois aussi, il retombe au tapis. Rabu maintient sa prise. Avec une sorte d'élongation du bras. Et voici les primes. Une prime de 5 nouveaux francs au vainqueur. Une prime qui
les primes sont annoncées maintenant en nouveau franc. Et cette prime annoncée en nouveau franc a l'air de déchaîner Rabu qui a accentué sa prise, mais finalement Costella s'est dégagé. Et les deux hommes se trouvent à nouveau au centre du ring. Ciseaux de volée de Costella sur Abu. Et tant mieux, il passait en dehors des cordes. Planchette japonaise, de très bonne facture de Costella sur Abu. Abu est compté 2, a réussi à se dégager en pont, vous voyez. Aplati encore une fois, 1, 2. Il a levé l'épaule gauche, n'est pas compté 3, encore 1, 2. Et finalement, Rabu s'est dégagé. Et c'est Costella qui va être compté 1. Il fait le pont, il se dégage, et les deux hommes se trouvent emmêlés à plat ventre au milieu du ring. Comment vont-ils arriver à se défaire? Ils sont absolument emmêlés en ce moment. Voilà, heureusement que l'arbitre est là qui les aide, il était temps. Et c'est bien la première fois que je vais applaudir un arbitre dans une salle de catch. Bravo monsieur Louis Michon. Car c'est monsieur Louis Michon, l'arbitre, et non Maurice Biraud, comme il avait été annoncé à l'erreur. Sacré Maurice, hein. Costella compté 3 se relève. Voilà, une bonne manchette de Rabu. Rabu, c'est une sorte de scooter avec un moteur de 40 chevaux. Il est petit, mais je vous jure qu'il est rapide. Si vous préférez, comme l'écrivait Jules Renard de la Puce, c'est un peu un grain de tabac à ressort, ce petit Rabu. Costella n'est pas mal non plus, d'ailleurs. Hé, manchette de Costella sur Rabu. Et Costella, qui ne doute de rien, car la valeur n'attend pas le nombre des années en Espagne, nous le savons bien. Ventos Costella, à 19 ans, a placé deux manchettes sur l'ancien champion du monde, Rabu. Rabu s'est dégagé une nouvelle fois, il est encore en mauvaise posture. On dirait que Rabu se fâche maintenant. Trois projections, non? Oh! Il le tient, 1, 2! Oh, il était temps! Rabu voltige à son tour en ce moment. Oh, manchette de Costella. Hop. Oh là. Oh, oh. Que c'est compliqué tout ça. Ça fait 1, 2. Non. Dégagé. 1, 2 pour Rabu. C'est Rabu qui compte 1 maintenant. 2. Non, il se relève. Oh là 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 là. Ce que c'est acrobatique tout ça. Des coups, 2, 3 coups d'arpin de Rabu sur Costella. Oh, coup de bélier de Rabu sur Costella. Le petit espagnol se relève encore une fois, il est projeté au tapis. Hop! Passé muscade. Oh là 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 là. Oh, que c'est acrobatique, que c'est beau ça. 2, 3, Costella est battu. Victoire de Jean Rabu sur l'espagnol Ventos Costella, par tomber à la 18e minute environ. Les deux hommes sont très applaudis, vous le voyez, qu'ils ont fait un très beau combat. Jean Rabu, vainqueur par tomber, c'est bien ce que je vous avais dit. Les hommes se serrent la main. On reverra avec plaisir à Paris ce jeune Ventos Costella, un espagnol de 19 ans. Et maintenant, nous allons assister.